comme ça, là. Bim ! VOD. Bonjour la VOD ! On est sur ce petit cube de zéro. Je le reprends après un long moment et je suis à la recherche d'un élément qui me permettrait de crafter un autre élément qui me permettrait d'avancer dans l'histoire. Pour résumer grossièrement. Oh non, mais un Léviathan, mais merde ! Mais je me prends des Léviathans partout où je vais ! Y'a un Léviathan ici, mais d'où y'a un Léviathan ici ? Il est trop beau, il est trop beau en vrai. Arrête. Merci Ostrek pour ton gentil message, merci à vous. Oui, je vais laisser le chat je pense. En gros, je vais essayer de résumer la situation. Il me faut un... Ça me fait très peur. Il me faut un... Voilà, un processeur parallèle pour crafter un module de passage en mode test à l'endroit où... à l'endroit où je dois le faire. Où il y a une sorte de plateforme de lancement. Une petite plateforme en tout cas. Il faut que je crafte ça, je vais articuler depuis longtemps. Et maintenant je sais que c'est... Je sais que c'est dans un... J'ai le premier bout dans une épave, il faut que je trouve les deux autres bouts dans deux autres épaves. Voilà. Et c'était un peu pareil par là. Et du coup, vu que c'est censé être des mêmes parties d'une épave, des mêmes parties d'un vaisseau, je pars du principe que ce sera pas très loin. Alors j'explore. Mais c'était où en vrai? Il était où mon truc? Il était pas près du Léviathan. Moi là je m'enfonce de fou, mais c'était pas près du Léviathan, c'était genre par là. Hein. Le browser il veut trop mon poule. C'est bon. Bon là, il est pas prêt de venir. Je vais me réparer. Prédit des méduses géantes peut-être. Ah ouais, peut-être. Peut-être, mais en fait, le problème c'est que j'ai les biomes en tête. Je n'ai pas les agencements entre eux. Parce que j'ai. Ça fait, voilà, pour savoir, ça fait à peu près un mois que j'ai pas joué. Donc je me rappelle de rien. Du coup, le chat m'aide gentiment. Parce que les gens, ils sont gentils. Du coup, merci Kato et Féline de m'aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, ce serait pas tout à fait proche, quoi. C'était au biome comme... Ouais, mais c'était dans le coin. C'est bon! J'entends encore des hurlements. Je remonte. J'en ai marre de me faire attaquer. Je suis pas flippée, je suis juste saoulée. Sachez-le, c'est important que vous le sachiez. Donc je cherche ces épaves. J'aimerais bien retrouver la première. Juste pour me repérer en fait. Parce que là je sais plus où je suis. J'étais dans une grotte, je suis allée explorer après avoir été dans l'épave. Et je me suis perdue. Enfin je me suis perdue. J'ai exploré quoi, en tant qu'exploratrice. Du gaming. Ruxley ! Plus au sud. Je vais au sud. Merci, merci. Non mais c'est bon, mais vous je m'en fous. De toute façon, il me rate 9 fois sur 10, juste parce que j'avance.
près de la dernière position du pilote, peut-être. Peut-être que c'était cette partie-là que j'ai déjà vue. J'ai déjà oublié. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là que j'ai explorée ou c'est une autre, ça? Ça doit être celle-là. Je sais plus, en fait. On a 50 mètres de profondeur. Ah, mais c'est de l'autre côté, peut-être, que je l'ai vu. Oh, ça hurle de ouf. On dirait que c'est une autre, hein. Ouais, c'est une autre épave, en fait. Bah, très bien. On va pouvoir explorer un peu. C'est cool. Je vais aller à la porte déjà. Oh, c'est très grand. Oh, j'espère que mon sous-marin va pas se faire attaquer pendant que je suis pas là. Ça me ferait bien chier, ça. Je vais pas mentir, ça me ferait bien chier. Oh, j'espère qu'ils me feront pas chier. Oh, c'est ça qui me faut. Il est toujours là, mon sous-marin. Il est toujours là. Let's go, j'ai la deuxième partie sur 3. Ouais, c'est mon deuxième sur 3. C'est cool. Le fait d'avancer de ce côté-là, ça va un petit peu motiver à reprendre bien le jeu aussi. Je peux pas le faire du tout. Je vais attendre. Découpeur laser. Bah en même temps, pas obligatoire ici quoi. Il y a plusieurs entrées. Ouais, j'ai refabriqué le prône de zéro effectivement la dernière fois. Tout à fait, tout à fait. Didier relou. Ah, je peux pas ici. Mince. J'attaque pas ton véhicule si t'es pas dedans. Sauf que j'ai l'attente des profondeurs. Ah, ok. Tant mieux. J'étais pas sûre de ça. Eh ben let's go! On l'a, le processeur parallèle! Trop bien! Now I just need to build the test override module. Then I can disable that satellite tower. Trop, trop bien. Sur 3, oui! Oh, je suis contente! Ça, c'est fait!
Lox est la meilleure. Ah bah ça on le savait. Hein. Merci, c'est gentil. 250 mètres, il y en a une autre du coup à 250 mètres. Professionnel. Ouais, ouais, pour la fun. On va continuer d'explorer un petit peu quand même. Et puis surtout que bon, je pense que les compos plus que je pourrais trouver seront les bienvenus. Même si là, là je trouve rien, mais sinon quoi. Eh ben je suis contente de l'avoir trouvé facilement. Mais du coup, ouais, je l'avais déjà trouvé aussi, ce bout d'épave là. J'en suis sûre, mais je pensais que c'était le même. Et non, c'était pas le même. Ce serait peut-être bien derrière. En descendant un peu par là, là. Je dis ça, je trouve que ça me paraît logique. Mais peut-être que c'est pas ça. Hein. Detecting bow of an astronautical Soltrans Go vessel. Le jeu est logique. Vessel name Mercury 2. Inoperative. Le jeu est logique. Merci le jeu d'être logique. J'adore ce que tu me fais. GG. Merci. Ça va être la nuit, ça va être un peu plus chaud pour trouver l'entrée. Bon, de toute façon, on est plus bas aussi. Donc, il ferait sombre quoi qu'il arrive. Quoi qu'à cette. Ouais, si, à cette fois. Lox, c'est la meilleure. Ah bah, ça, on le savait. Mais merci, hein. Ma voix qui se prend en couille quand je vous parle. Merci, c'est super gentil. Vous êtes impressionné la VOD ? J'ai trouvé l'autre épave direct. Bon, je la visite juste pour le fun. Parce que j'ai déjà ce que je suis partie chercher. À savoir le truc parallèle. Je cherche l'entrée quand même. Ah, peut-être bien ça là. Finalement, tu pouvais aller dans les trois. Et ouais, j'étais allée dans aucune. Aucune, tu es d'un. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Merci Ostrek. On perd plein. Merci beaucoup Ostrek, gentil. Merci pour ton 5e mois si j'ai pas de bêtises. Merci, merci beaucoup. Merci Ostrek. Merci beaucoup beaucoup. 5 mois d'affilée en plus. Parce qu'il est fou. Ou parce qu'il avait pas vu ça, peut-être. Je vais gratouiller un peu le dos. J'ai mon gratte d'eau, mais il est derrière mon fond vert. Je l'ai posé derrière moi tout à l'heure. J'aurais pas dû. Du coup, je vais pas le prendre tout de suite. Sinon, ça va casser le décor et la VOD n'est pas prête pour ça, enfin. Je vais pas lui montrer la vérité. Je l'avais pas ça. Oui, une tête confinement extraterrestre, un vrai aquarium, un vrai. Vous avez vu? T'as vu Féline? Tu m'avais dit qu'il y avait. Féline, elle m'avait dit qu'il y avait.
m'a dit, il y a le grand aquarium comme dans l'autre. J'ai dit quoi? Arrête de mentir sinon je te banne. Et ben au final... Non, j'ai pas dit ça, je rigole, regarde. Professionnel! Arrête, je vais arriver. T'as l'air de prendre le répulseur. De quoi, de quoi? Fais gaffe à mon oxygène aussi, puisque j'ai beaucoup de... J'en ai essayé beaucoup de stock d'oxygène, mais... Des patates. En terre plein. Eh, des patates. Je trouvais des patates. I found some potato. Yeah, some potato. J'en prends qu'une. J'ai pas de place, faut que je me barre en vrai. J'ai plus d'oxygène et plus de place. Je peux pas aller par là. J'y croyais trop. Oh, cette ambiance, regardez ça. Beaucoup trop fan. Dès qu'on arrive, là, on voit ça au-dessus de sa tête. Comment être indifférent? C'est impossible. Ah, la première fois, tu l'as pas trouvé. Bah ouais, j'aurais pu passer à côté, ouais. Aller là-dedans. Ouais, elle a fini, Féline. Ouais. Ah, mais y a pas un petit stockage ici, je pensais. Oh bah merde. Oh bah dis donc. Je suis obligée de partir. Et oui, je croyais que j'avais le constructeur avec moi, mais non. Ok, bah sud-est, depuis ma base, j'ai besoin d'y retourner. Mais je vois un coup. Ah, c'est X. Net. Faut aussi que je fasse les trucs d'artefacts. Enfin, pas vraiment ça. Les trucs que Alan m'a demandé. Oh, j'ai enlevé ça. Oh, il faut que je dis bien. Parce que je pense que je peux tous les faire maintenant. Enfin, je peux faire tout ce qu'il voulait. Il faudrait pas que je commence à entamer un peu, à aller vers la fin du jeu sans avoir fait ça. Même si je sais pas où je dois les faire par contre. Il y a un endroit où je dois faire les trucs d'Alan. Ouais, j'avais un bon souvenir de la fin aussi, même si je m'en souviens plus bien. Donc c'est cool, ça va me faire plaisir de la redécouvrir. Ça va me faire plaisir de la redécouvrir. J'articule pas en fait, je garde la bouche comme ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup parlé en première partie de soirée. Et là aussi... Et là, je continue à parler, je vais y aller doucement. Je vais parler tranquille. Bonsoir, Efrim. Efrim, c'est quoi? On va rejouer à WoW. Voilà.
Je le dis. Je sais pas pourquoi, je me dis, je sais pas. Voilà. Sinon, ça va, toi? J'aime bien, je leur dis, c'est comme si ils pouvaient se sentir concernés, les gens. Jamais vu la fin d'autre personne que j'avais vue. L'a fait quelques semaines avant la sortie du jeu et avait un mur invisible juste avant la fin. Oh merde! Genre rejouer? Ouais, rejouer, recommencer. En fait, j'ai reçu l'extension en la demandant. Je suis contente. Mais du coup, faudrait que je montre ce qui se passe dans l'extension. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soit Pex, soit Sésame en perso qui est déjà level 60, 61 maintenant. Pour au moins atteindre la prochaine zone, à savoir celle du dernier DLC. Comme ça, la semaine pro, je vais pouvoir faire le stream avec Meloka et Lichou dessus, sur le dernier DLC. Mais en vrai... Ouais, bah je vais reprendre mon ancien perso là. Mais en vrai, je veux refaire un reroll que j'ai déjà un tout petit peu lancé. Voilà. Mais j'ai un problème aussi avec mon perso, c'est que je voulais le changer de serveur, j'ai acheté le truc pour changer de serveur et ça marche pas. Ils m'ont dit attends, c'est pas dispo pour le moment, reviens plus tard. Ok, sympa. Et ça c'est chiant ça. Ça saoule par contre. Il est où mon pistolet? Il est là. Pas pistolet du tout. Oh, c'est quoi la meuf? Faire ça, je suis contente. Il va falloir que je fasse une grande pièce et que je mette un grand aquarium dedans. Ce sera cool. Du coup, j'en discutais avec Meloka demain. On s'est calé un moment pour s'appeler. Désolé si je commence le live un peu plus tard demain, mais ça devrait pas être trop tard. Mais voilà, si c'est le cas, c'est parce que j'en discute avec Mélo pour savoir pour qu'on s'orgate, tout ça. Qu'on s'orgate à U. Hey. Il me faut juste un peu de titane, j'en avais pas là-dedans. Non, j'en ai plus. Je crois que j'ai plus de titane en plus. Ça passe. Il en fallait plus? Ah mais je pouvais en prendre qu'un, je suis bête. J'attends 12 heures que mon abonnement soit actif. 12 heures, monsieur de bâtard! C'est beaucoup, ouais. Mon abonnement, ça a marché, mais ouais, ma migration de serveur marche pas. Trop chiant. Trop chiant, trop chiant. C'est pas très grave. C'est chiant. Ah là, c'est mes petits œufs et tout ça. Ah ouais, j'ai plein d'œufs à mettre en plus, c'est trop cool. Je vais mettre ça, tiens, j'ai des barres de réacteur et j'ai des piles. J'en ai pas mal. Batterie. Regarde une. Le détecteur de minéraux pour le moment. Barre de réacteur épuisée. Pour le moment, il me prend de la place. Pas trop suivi de ton côté, j'ai prévu un ce bâton. J'y réfléchis. Ça m'embête parce que si je fais un ce bâton, il y a des chances pour que ce soit le week-end avant un event caritatif auquel je participe et je trouve que du coup ça envoie pas un message de ouf de faire un ce bâton avant un week-end caritatif auquel je participe. Le problème c'est que c'est le prochain week-end, j'ai un anniversaire. C'est l'anniversaire de mon papa, donc il va falloir que j'aille en France. Avant ça, il y a le The Event, donc c'est pas un week-end où je vais vraiment pouvoir stream, donc en fait j'ai pas beaucoup de possibilités. Donc je suis un peu embêtée. J'aimerais bien, il y a un truc en particulier que j'aimerais... En fait j'ai 2-3 trucs que j'aimerais pouvoir faire et ce bâton pourrait m'y aider en rapport avec le stream, hein, parce que moi ça... Mais ce bâton finance que mes projets pour le stream, j'ai pas des ce bâton de grosse envergure, mais ça m'a permis de faire le stream... De faire les streams IRL basiquement parce que j'ai acheté le matos grâce à ça. Ça m'a permis de faire stream cuisine qui devrait arriver bientôt. De faire les streams Bob Ross. Et
Enfin, Lox Ross, pardon. Et la soirée JDR. Pourquoi je le mets là? Je sais pas pourquoi, je suis folle. Je suis pas concentrée sur ce que je fais. Et du coup, là, ça me permettrait de faire un ou deux autres petits trucs que j'aimerais tester. Mais le timing fait que ça m'embête. J'ai pas trop suivi ce que ça va être pour Sou et Mello. Mais elles font des très longs trucs. Moi, si c'est un sub-bâton, le but c'est de faire un truc qui dure soit 24 heures, soit un peu plus, mais voilà. Et où je reste avec vous. Sauf, bon, allez, une petite pause d'une heure, un moment maxi, quoi. Mais où sinon, je reste avec vous pendant toutes ces 24 heures. Et le but, ce serait de proposer des choses, pas juste de faire un 24 heures où je me bats contre la fatigue et où c'est pas intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse pas comme contenu. Tu voulais pas raccorder ton train? Peut-être, hein. C'est déjà ce que tu comptes préparer dans ton live cuisine. Pas tout à fait. J'ai des pistes. Mais c'est un peu chiant et je pense que je vais devoir me prendre un bouquin pour un petit peu en savoir plus. Parce que je cuisine pas en plus. Mais j'aimerais un plat et un dessert, ça c'est sûr. J'aimerais un plat et un dessert. Voilà. Non mais je vais laisser ça là pour le moment. Et je vous le dirai avant. Parce que bah, c'était Trapid qui m'avait dit, mais ce serait cool que nous aussi on essaye de préparer en même temps. Et du coup, vous inquiétez pas, une semaine avant au moins, je mettrai la recette, enfin la recette, oui la recette même, de ce que j'ai prévu. Elle commence toujours le premier, ouais. Sou, elle commence toujours le premier son ce bâton. Alors, je vais voir comment je peux le crafter. Mais je sais pas où ça se crafte par contre, le truc que je dois crafter. Oui, bah il dure beaucoup le sub-bâton dessous, je sais très bien. Moi c'est vrai que je vois ça plus comme un truc. Il dure une journée ou peut-être un week-end pour ceux qui vont se coucher au milieu. Mais où t'arrêtes pas quasiment de stream pendant toute cette période là. Et où t'essayes de faire des trucs différents quoi. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, c'est ça que j'aimerais bien faire. Déjà je vais faire le processeur parallèle mais je sais pas où est-ce que je les crafte en fait. Je trouve pas. Ouais, part sur du 12 heures par jour mais tous les jours ouais. Ouais, ouais c'est clair. Je vois ça. Ah c'est sûr que c'est un rythme. Hein. Et moi bon y a pas si longtemps je faisais ouais du 8-10 heures par soir assez régulièrement. Donc je me dis bon est-ce que c'est très intéressant de proposer ça? Je sais pas. Pour moi, pour ma commu et ma manière de stream. Sous c'est différent, tout à fait. Donc voilà, si je propose un marathon, je propose un concept pendant le marathon, mais je sais pas quoi. J'aime bien les trucs où tu dois finir le plus de jeux possible et tout, je trouve ça cool, mais le problème c'est que... Enfin, ça peut être sympa. J'aime bien l'idée. Mais ça peut... Quand on n'a pas une immense commu, bah une partie des jeux seront pas forcément des jeux très attendus ou que la commu a envie de voir. Et du coup, bah tu risques juste d'avoir un sub-bâton avec pas beaucoup de monde parce que t'enchaînes les jeux et dans ce que t'enchaînes, il y a plein de jeux qui plairont pas spécialement quoi. Donc il y a aussi ça. Bah je sais pas où je le craft en fait. Mais j'aime bien le principe, je trouve que ça te pousse à finir tous tes jeux et tout, j'aime trop ce principe là. Je vais regarder avec avec ça. Ah bah non, je l'ai déjà sur moi, mais enfin.
Et ben, je sais pas. Je sais pas du tout, du tout où est-ce que je dois crafter cet objet. C'est pas indéployable ? Normalement, si. Oh, c'est là, punaise, je comprenais pas. Oh là là, trop chiant. Or, argent, échantillon de corail plat. Ça, j'ai tout, ça. Je comprenais pas pourquoi c'était pas ailleurs. J'ai hâte qu'arrive les Gaules, c'est fatigant de faire attention à ce que je peux dire ou pas. Eh ben, c'est très bientôt. Oh, j'ai plus qu'un. Oh, le plomb, j'en ai jamais assez du plomb. Désolé pour la VOD, j'ai mis vachement de temps à faire ça. Désolé. Trop désolé. Event en trois mots. Event en trois mots. Event. Ou un event, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas. Il est un peu tard. Je pense à désactiver mon réveil, lundi c'est férié. C'est le combien le lundi là? C'est lundi 2? Le 2 c'est férié au Québec? Event caritatif, ce sera l'arma des dons. J'en parlerai un petit peu plus après dimanche parce que j'aurai une réunion pour avoir d'autres infos et tout ça. Et ce sera en soutien à la Ligue contre le cancer. Donc c'est forcément trop bien. Soutenir une asso comme ça. Non non, c'est pas secret du tout. En fait, en vrai même, les reveals ont été faits il y a plusieurs mois déjà. Eux, ils vont vachement tôt dans leur communication. Parce qu'ils sont à la recherche de sponsors et tout ça, assez... J'essaie de trouver où je peux poser mes trucs, mais j'ai pas beaucoup de place. Souvent, donc je pense que ça leur permet aussi de trouver des sponsors, machin. Mais en vrai, l'orga, elle est au taquet, elle organise déjà celui de l'année prochaine. Donc c'est une orga assez quali. Et en tout cas, qui est basée, quoi. Y a pas de souci à ce niveau-là. On fait pas les choses à la dernière minute. À la dernière minute. Et du coup, non, je sais depuis... Enfin, j'en ai parlé il y a même plusieurs mois parce qu'il y a déjà eu des communiqués qui ont été faits, dont des communiqués qui m'incluaient, donc forcément je me suis dit, ah bon, moi j'aime bien parler un peu plus tard des événements pour que les gens, ils aient une hype qui ne se baisse pas avec le temps. Et ce sera le premier week-end d'octobre. Tout à fait. Donc voilà. Et niveau programme, j'ai déjà des idées. J'ai déjà plusieurs donation goals qui devraient vous plaire. Je l'espère. Ouais, ouais. Ah non, non, pas Scrimination. Non, non, pas du tout. Ça passe par... Attends, je peux te le dire. J'ai oublié le nom. Mais je peux te le dire, c'est une cagnotte. Non, c'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. D'ailleurs, tu connais peut-être, tu pourras peut-être me dire si c'est bien ou pas. Ça passe par Tiltify. Moi, j'ai Tiefelin en tête à chaque fois. Jamais entendu ce nom. Nice. Tiltify. Tiltify. Attends, je te mets ça. Je te mets le nom. De ce pas.
Ah mais attends, c'est un truc de cagnotte. Oui, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. À tes souhaits, merci. on est où, on fait quoi? J'ai encore des trucs sur moi. Attends, j'ai craft ou pas? Oui, j'ai craft. J'ai vraiment pas concentré. Je vais aller poser le truc et on va voir ce que ça déclenche. Alors, c'est quoi qu'il faut que je mette? Plateforme d'atterrissage, bah c'est ça. Ou non, station Delta. Qui est de la station Delta? Bah ça, je vais essayer pour le moment. Oh, j'ai pas vu à bouffer, attends. Attends, attends, il fait ça, je fais ça. Welcome aboard, Captain. Ou alors ça, ils l'ont mal écrit et ça s'appelle pas comme ça. En tout cas, j'ai configuré mon truc dessus. Avec les liens qu'ils m'ont donné. J'avoue que si tu trouves pas d'ours, désolé. C'est pas ma faute celle-là alors. On va à la station Delta, on va poser le truc de test. Attends, ça s'appelle comment déjà? Module de passage en mode test. On va voir ce que ça fait. Et après on verra dans quoi on s'embarque. Je speedrun une intégration Twitch chat. Automatiser des trucs. Selon le montant à donner, un overlay à donation goal. Bah, alors ils ont. Normalement, il y a un truc comme ça. Mais bon, vraiment. Ça va te faire une quantité de taf en plus. Mais ça peut être peut-être intéressant pour toi aussi. Normalement, ils ont un système d'intégration de donation goal. Ouais, c'est tout. Ouais, parce que bah pour les alertes, pour le coup, là, ils nous demandent de passer sur Streamlabs alors que j'essaye de m'en sortir. Donc ça, c'est dommage. C'est un peu dommage. J'ai que 1 milliard de trucs à faire d'ici la fin de septembre, ça va. Pourquoi? Voilà, 1 milliard et 1. Ça va, en fait. Ouais, Streamlabs a... Oui, oui, Streamlabs a une intégration TLTP. Tout à fait. Ça peut peut-être... Je sais pas si ça aide, mais oui. D'hab, je sais pas par où aller, mais j'ai trouvé. Ça va être super. Je vais mettre 15 minutes à trouver. Non, là, c'est bien. Là, je suis bien, là. Après, je remonte par là. Non, c'est bon, c'est bon. Mais c'est vrai qu'après, évidemment pour cet event ce serait probablement un peu compliqué, mais vu qu'ils sont déjà en train d'organiser l'event de l'année prochaine, leur dire ah bah attendez, avec Twitch chat, vous pouvez avoir ça, 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 bah ça peut être intéressant, j'imagine en tout cas, pour eux. Clairement, clairement, clairement. Alors je le mets à la place de ça. Non, non. Ah non, c'est pas comme ça. Ah, faut que je monte, faut que je monte. Never. Great. Now back to the terminal. Si tu pouvais arrêter de me coincer. J'en ai marre. Oh.
Please work. Ça work pas trop là. Yes, satellite is down. I am impressed. That was most resourceful. Ah, il est chanté par la bite, celui-là. Merci, Parapalin. Pour le follow, bienvenue. Ah, Marguerite. All right, Altera. You win this round. Vous savez qu'il y a cette manche. Venez me trouver dans ma serre. Je suis localisée approximativement 1 km à l'est de votre position sur l'iceberg. J'ai un cadeau pour vous. Come by if I have time. De pouvoir si j'ai le temps. Whatever. If you have time for me in your busy social calendar. Est-ce que ça a été indiqué quelque part ou est-ce qu'il faudra juste que je vois? De votre iceberg, c'est là où je suis, hein. L'Anka convention de Roubaix. Eh ben, bonne convention de Roubaix. Des bisous et fou. Des bisous. Bonne nuit, tout ça. De votre iceberg. À 1 km machin au nord, de, au sud, à l'est. J'ai oublié. Kilomètre à l'est de votre position sur un iceberg. Ah, un kilomètre à l'est de votre position sur un iceberg, j'ai un cadeau pour vous. Je vais peut-être, si c'est sur un iceberg, je vais peut-être prendre mon prowl. Oh, c'est juste pour un cadeau. Oh, je peux prendre le prone. J'y vais comme ça. J'y vais à poil. J'y vais comme je suis. Bon idiot, des bisous. 1 km à l'est. C'était ça. Hein. Je vais remettre une 15e fois pour être sûr. Je m'en rappelle plus du tout. Je me rappelais des deux trucs qu'on a vu avec Marguerite avant. Et maintenant, j'avoue que j'oublie pas mal là. Enfin, j'oublie putain de temps. Mais c'est bien comme ça, j'ai l'impression de découvrir un nouveau jeu. C'est un iceberg, ça. Ah, truc d'atterrissage robotique, dégage. Mètres. C'est pas 1 km. C'est là. Elle serait vraiment sur ce tout petit iceberg pont. J'ai rêvé de quoi cette nuit? Je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui m'a fait penser à mon rêve de cette nuit. Je crois que ça va, c'était sympa. Pourquoi l'iceberg m'y a fait penser? Mais enfin... Peut-être là-bas, non? On est à combien là?
La 789. Peut-être là-bas alors. Ou alors j'avais déjà fait 500 mètres sur l'île, non, ça me tarde. Peut-être essayer là. Ma main est fatiguée. J'arrive depuis combien de temps? Oh, ça fait même pas 7 heures. 6h30. Bon, si, ça fait pas mal après. Mais enfin, bon. Pas une raison pour avoir les mains qui craquent, quoi. Ouais, je suis trop loin, je pense. Je suis trop loin, je pense. Je vais me rapprocher. Enfin, me rapprocher. Rebrousser chemin. Peut-être celui-là, alors. Pas mal ça. Ça peut être pas mal, ouais. C'est... Donc tout est possible là. Très bien qu'elle mette des fusils éclairantes. Ah là on a 700. Ah peut-être celui-là en vrai, cet iceberg, il est un peu différent des autres. Peut-être pas pour rien. Je le sens bien. J'ai un petit bruit dans ma cuisine, mais il n'y avait personne. Ah, mais le problème, c'est que je peux rien voir. Il y a une tempête. Bon, allez, j'ai rien bien monté. Voilà. Plutôt là-bas en vrai. Hein. Bah le temps de faire l'aller-retour qu'à tour, en vrai j'ai plus vite fait de visiter les icebergs plutôt que de les voir pour mettre une balise exactement à 1 km et voir une balise exactement là d'où je viens. Et voir ce qui est à 1 km. Je me dis en vrai j'ai plus vite fait de visiter juste les icebergs. Il n'y en a pas 1000. Enfin ceux sur lesquels je peux poser les pieds. Et voir s'il y a Marguerite ou Margaret. Ici. Non, ça n'a pas l'air d'être ici. Dangerous weather approaching. Mais c'est autre chose. Mais vraiment, ça fait déjà 5 minutes. Ça fait à peine 5 minutes que la tempête précédente s'est calmée.
J'aimerais bien faire autre chose que me cacher comme une nulotte. C'est très vexant. Ça, ça n'est bien que ça. Il est pas mal celui-là au niveau emplacement. Ah, il est pas mal celui-là. Il est pas mal, mais bah, y a rien. Il était vraiment pas mal. C'est dans le jeu ce bruit très aigu ? Oh, c'est la première fois que j'entends. Salut Tapiaz. What's up? What's up? Bah je me galère. Bon. L'extérieur de l'eau, il y a toujours une météo dangereuse. Oh, c'est lourd, parce qu'on est beaucoup hors de l'eau en fait, dans celui-là. Peut-être un quart du jeu qui se passe à l'extérieur, quoi. Bon, peut-être même plus. Et du coup, là, il n'y a rien. Mais non, mais c'est tout petit. Bon, j'aimerais bien qu'il fasse jour. Oh. Seek shelter. Allô. On voit rien du tout. Elle a bien dit sur un iceberg, il va dedans. Sinon, c'est pas cool. Et ici, il y a quoi? Essayez ici. Tu as combien là? 100 mètres. Je vais essayer d'aller sur l'autre côté. Ah mais est-ce que je vais pouvoir en fait? Je pense pas. C'est vraiment... vraiment relou avec la météo. J'espère qu'un jour il fera jour aussi dans le jeu. L'iceberg est perdu au milieu de nulle part. Mais je peux confondre. Ouais, je vais peut-être aller plus loin alors plutôt que de me galérer ici. Ok, je vais aller un peu plus loin, De toute façon, j'ai rien à perdre là, en extérieur, c'est chiant. Rien de très gros, ok. Bah merci pour les infos, parce que j'avoue que là... J'avoue que là, mes souvenirs à moi, ils sont beaucoup trop vagues. Bah là même, ouais, ce passage-là, alors pourtant j'avais fini le jeu à l'époque. Ce passage-là, je me rappelle pas du tout.
Il y a un iceberg qui a l'air tout solo là. Il a pas l'air si solo que ça. Ouais, c'est vrai qu'après tu dévies facilement aussi, en plus d'accumuler de la distance. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien celui-là, je vais jeter un œil tant qu'il fait jour. Tant qu'il fait jour. Il avait l'air de faire plus jour depuis l'intérieur du truc. Il est sale. Non mais là il est trop tard pour se prendre un blanc dans la gueule là. C'est bon, ça me nique trop les yeux. Ça va, j'ai pas dévié, regardez, c'est... Enfin, très peu. C'est à l'ouest. J'avais dit à l'est. Je vais continuer par là. C'est bien en train de sortir de la map là. Rien du tout. Je suis pas rassurée ici, tu m'étonnes. J'ai pas envie de me faire éclater. C'est impossible de se repérer en fait. Ah, je suis revenue. Je sais pas. Sans mettre trop loin. Ouais. Ah ouais, mais bon, là, moi, c'est beaucoup trop près. On voit rien, en plus on peut même pas voir s'il y a quelqu'un qui nous attend. Ah. 950 mètres.
Bah c'est lui alors, mais je crois que j'ai soit déjà visité, soit je suis déjà monté, soit... Ah c'est ça. On va essayer lui alors. C'est vrai qu'elle est un peu radine la Marguerite là. Oui mais je me dis je ne sais pas la taille moi de... Je sais pas la taille de l'iceberg, mais si tu regardes au bord de... Si tu regardes de l'extérieur, tu peux voir peut-être une lumière, des trucs comme ça. Je peux pas monter sur celui-là. Là, je peux essayer de monter. Pas du tout où je suis, mais bon, je vais tous les faire de toute façon. Rentrer. Peut-être pas trop mal. Mais j'ai froid alors que je suis dans une grotte et que d'habitude ça fonctionne pour pas avoir froid. Dommage. C'est bien dommage ça. Another site found, but I cannot yet tell whether the others survived. Still, it holds valuable information. I hope you will find more. The network is indicating more of my people's technology, but the images I am receiving are fragmented, repeating. I am struggling to locate them precisely. Fragmented images? Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a reflective. Ah mais la tenue polaire, il faut que je tue des bestioles bizarres. Enfin non, j'en ai tué en plus, ça a rien fait. Il faut que je chope de la fourrure et j'ai jamais trouvé de nid pour choper la fourrure. Pour faire les combis polaires. La fourrure des bestioles qui nous attaquent. Matisse. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Il y a toujours une météo dangereuse. Par la bite, celui-là. Merci pour le follow. C'est gentil. Est-ce que c'est ici au moins qu'il y a l'autre folle ou pas du tout? Je commence à douter. Ah, le pingouin permet de voler les trucs de poils. Hein. Ouais, mais j'ai pas trouvé de nid où il y en avait même. Enfin, je ne sais pas, tu vois. J'ai visité, mais j'ai pas trouvé d'endroit qui juste ressemblait à un nid, quoi. C'était ça le souci. Allez. Ça aussi c'est chiant hein, d'avoir vraiment des écrans blancs à la tronche. Alors qu'on joue à 4h du mat. On m'en passerait bien.
j'ai fait le tour en fait, j'ai plus rien à visiter. Elle est pas là. Bah c'est relou. Et en plus elle est même pas là. Bah tant pis hein. J'imagine que c'est pas cet endroit, sinon vous me l'auriez dit. Pas très gros, ok. Par contre, je n'ai aucune preuve tangible de ce qui était devenu des miens. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. Ou là-bas, c'est une serre, ça, non? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. Tu destes. Ça a l'air d'être une serre, ça. But it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem. C'est un honneur d'être inutile. Merci, Oscar, ça me fait très plaisir. Hope is... Oh, right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find. Love TX, je sais pas, mais j'ai pas compris. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Ellen. I didn't hope. Ça doit être là. Oh là là, quel relou! Quel relou! Ouais, c'est assez loin. Hein. Environ à 1 km, même plus. Hein. Recherche espoir. Banque des furies, recherche espoir. Let's go! Non! Pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux! Merci beaucoup pour le raid! Merci beaucoup, Yora Cosplay! Merci pour le raid, c'est adorable! On arrive en fin de session où je me galère. Mais ça va, ça se passe super! Merci, merci! C'était sur du Guild Wars! Du Guild Wars 2! Incroyable! Merci! Salut, cette Certainly Not! Note et... Mais de quoi? C'est un I ou c'est un L? Note, IT... Non, c'est pas ça. Un... Allez. Bisous. Merci beaucoup pour la... C'est une serre, ça? Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Mais bon, en toute logique, on est chez elle, quoi, non? Ah, c'est une serre. Oui, c'est une serre. Hop là, je cache ma gueule. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mince courage, merci, ça va. Certaines nuits, ça passe bien. Ouais, désolé. Attendez, je lis et je suis à vous. Je suis persuadée qu'elle était de l'Altera pur jus. Ah oui, d'accord. Elle parle de notre sœur, elle parle de notre sœur.
qui est morte à cause d'Altera. Maybe a little too much. Meaning? If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction. Oh, mais sois gentil avec ta bébête. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, venez. Pas m'embêter. Vous pouvez servir de la dans la serre. Oh, c'est gentil. Ok, bon ça va, on n'a pas fait ça pour rien, on va pouvoir tout scanner. Trop bien. Où est ma caméra? Non. Ici. Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, bienvenue. On est sur du Subnautica Below Zero, on le redécouvre, on y avait déjà joué. Vous étiez sur du Guild Wars, on est à peu près sur... qui relève totalement la même ambiance en matière de gameplay et d'univers finalement. Jamais joué à Guild Wars 2. You can look all you want. Et voilà. J'ai vraiment absolument aucune anecdote à part celle-ci. Un petit canard sur le casque. Et tu sais quoi, petit canard, il est aimanté. Et du coup, il y a des... Oh, mais c'est... Ah oui, avec le fond vert, ça marche pas bien. Mais c'est gentil, merci. Il est où mon deuxième? Ah, mais il est derrière mon fond vert. J'avais rien vu. Là, il y a un deuxième... Ah, mais ouais, mais fond vert. Il y a un deuxième petit canard. Et du coup, on peut l'échanger. Voilà. Amazing, je need... Oh, bah, c'est juste des canards classiques. Et puis, on a mis un aimant sur le canard et un aimant sur le casque. Tout simplement. Tout simplement. Ça se fait soi-même assez facilement. Et tu peux après... Il y a des kits pour personnaliser son canard. Voilà. Professionnel. Voilà. Ravi que ça vous plaise. C'est vraiment très chouette et addictif, Guild Wars. Ok, c'est vraiment... c'est RPG, c'est ça? C'est quel type de RPG? Le RPG. Pourquoi je parle comme ça? Bon. J'ai beaucoup discuté en première partie de soirée. On a fait au début de soirée un talk CD avec un poteau, Gaël. Je veux bien qu'on... En fait, je veux bien prononcer pour qu'on n'entende pas Gaël. Parce que j'ai tendance à... un peu mal prononcer. Et on a parlé de... Attention, les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams. Et de... Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On avait des choses à dire. Coucou! Coucou, c'est qui? C'est cet anonyme, coucou toi! Bah, les deux hippiques. Plus accessible et dynamique que vous, en tout cas. C'est vrai, c'est plus dynamique que vous? En vrai, c'est assez marrant. Enfin, c'est... oui, c'est rigolo. Qu'on parle de ça. J'ai vraiment une envie de MMO en ce moment, et là, je vais me remettre à haut. Ah, wow, j'ai déjà commencé à m'y remettre très doucement cet après-midi. Et je vais faire un stream dessus la semaine pro, après vraiment des années sans avoir touché au jeu. Mais c'est vrai que la hype sur la dernière extension m'a donné envie. Et j'ai envie d'un MMO en ce moment. Et du coup, bah voilà, j'ai rejoué. Et je suis un peu tendue de tout ce que j'ai à faire d'ici le live qu'on va faire la semaine pro dessus, savoir dans 4 jours. Mais j'ai très hâte aussi. On s'emmenait des graines de plantes. En vrai, est-ce que j'en ai besoin? Les patates, j'ai. Oh, ça par contre, je prends. Bisous, vous deux. À tantôt. Une jolie serre dans ta base. C'est vrai. Mais je préfère avoir un grand espace aquarium, moi. Oui, je suis 100% type eau, moi. Tout ce qui est terrestre, ça fait mal aux genoux. J'ai pas mon pingouin, non, je l'ai pas pris, il prend trop de place. Pique de la fourrure. Je peux piquer de la fourrure sur les bestioles directement, c'est ça? Ça, je savais pas, ça c'est cool. Ça. Je sais pas si vous connaissez Subnautica.
En tout cas, je vous conseille. Surtout le premier Somnotique. Je vous le conseille fortement. Un jeu de fou qu'on redécouvre en ce moment. Enfin, j'ai refait le premier il y a quelques semaines. Moi, maintenant. Et là, je refais le deuxième. Et toi, tu fais quoi, Hydra ? T'as dit que tu faisais des bingos. Ouais, tout à fait. Je dis Hydra, excuse-moi. Yora. Ouais, tout à fait, on fait des bingos pendant, surtout pendant les soirées React. Et les mercredis, on fait des React AB Prod. Donc, on React avec Guile des émissions, enfin des sitcoms AB Prod. Type Hélène et les garçons, le miel des abeilles, etc. Et on fait un bingo à chaque fois. On fait ça le mercredi en deuxième partie de soirée parce que toute la soirée serait compliquée. Et ça nous permet de commencer tranquillou chacun de notre côté. Et le dimanche, je fais aussi du React différent, cette fois d'émissions récentes, un peu à la con, genre tattoo cover. Et pareil, on a récemment, très récemment, fait un tout. Enfin, je fais en live la dernière fois avec le chat, c'est un petit bingo là-dessus. C'est trop macam ça. Ah, c'est vrai. Oh, ok, bah si ça t'intéresse, je pourrais te dire ce que j'utilise. J'utilise Twitch Chat, je sais pas si tu connais. Mais merci. Comment ça se fait que tu me follow? C'est peut-être perso. C'est vrai que j'aime bien follow hors live, moi aussi. Bah écoute, hop. Moi, j'irai voir quand tu joues à Guild Wars. Si j'arrive à cliquer sur follow. J'ai cliqué sur à peu près tout le chat. Mais pas sur le follow. Oh non, j'ai fait ça. C'est pas grave. Oh non, c'est pas grave en fait. Hop là. Hop là. Et tu fais des cosplays? L'Eric m'a soufflé, je crois. Il doit lurker alors. Ce que je comprends tout à fait. Très lurker friendly. C'est même un tag. Non, je connais pas du coup. Oh, ok. Eh ben, écoute, c'est un outil qui sert à stream et qui peut te permettre de faire plein de trucs. Qui est développé par un dev français qui est potentiellement encore dans le chat. Durs. Donc, si tu as besoin, si tu veux un petit peu setup ton stream ou que tu veux des possibilités. Voilà, activer des possibilités de. D'avoir, enfin des possibilités on va dire de tout réunir dans un seul bot, qui est bien plus qu'un bot, vraiment. Et ben, n'hésite pas à te renseigner sur Twitch Chat, merci d'avoir mis le lien. Je dis ça parce que franchement, c'est trop bien. Et ça, je devrais totalement passer sur Twitch Chat pour plein de choses, mais je le fais pas encore parce que j'ai la flemme de tout retransférer, mais je vais le faire. Du coup, bah je te, voilà. Je t'enjoins à te renseigner, c'est grâce à ça. Léviathan. C'est grâce à ça que j'ai un bingo notamment très facile à faire en stream et à montrer aux gens et tout. C'est vraiment très simple. Ça va s'afficher comme ça. Voilà, ça c'est l'un des derniers bingos qu'on a fait. Bref, c'est tout pris en charge. Et je vais mourir, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour Durs. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a vraiment plein d'autres choses que tu peux faire avec. Donc juste ça, c'est une des fonctionnalités très cool rajoutées récemment. Donc n'hésite pas. Mais trop bien! Je fais tellement TCD. Eh hey, mais la VOD en vrai, je devrais te... Meurs pas à cause de moi. Totalement de ta faute. Mais la VOD, je devrais la fermer. L'arrêter en fait. Oh là là, je... C'est dur de trouver ces mots à cette heure-là. J'ai trop parlé. Qu'est-ce que tu fais là? Guile. Ça va? Moi je fais mourir. Comment qui va depuis le temps celui-là? YouTube te montera. Ah oui, c'est vrai que les petites vidéos sont pas mal, ouais. Vous avez vu là, comment Lox veut vous abandonner? Mais oui, mais la VOD en vrai elle s'en fout, la VOD. La VOD elle veut juste voir dans les 5 premières secondes ce qui se passe, va constater que c'est un let's play, va dire PTDR c'est qui, elle parle trop et va partir. Et il y aura juste les quelques-uns acharnés qui auront dit ah mince, j'ai pas vu
la fin de cette soirée sur Subnautica, je vais regarder, et qui vont laisser un gentil commentaire en disant « Oh, bah, je suis cool, bravo, Lux est la meilleure, merci pour la VOD. » Mais vous serez deux dans ce cas-là, mais vraiment, ce que je comprends. Ce que je comprends. Mais au moins, je mets une VOD. Et je mets mes let's play complets. Et j'aurai terminé plusieurs jeux. Ouais, depuis le début de cette année, je suis contente. Plusieurs jeux un peu longs, quand même. Quand même. Et comme ça, je les mets sur YouTube. Comme ça, il y a la preuve que je les ai terminés. Et que je suis pas non plus qu'une streameuse qui entame 1000 jeux sans jamais en finir. Et je crois que si je fais un sub-bâton cette année, même si c'est pas du tout sûr pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et ben, j'avoue qu'avoir le concept de finir des jeux, de finir pas mal de jeux pendant le truc, ça me plairait bien. Regardez, ça c'est ma chambre. Oh, j'ai un nouveau CD. Ah, c'est ça. I take a deep, deep dive into the ocean light. There's a world that moves just right under the tide, but I'll never know unless. Est-ce que tu as fini Starfield? J'ai jamais commencé. Donc non. Mais comme je dis, moi, de Starfield, je savais que de base ça allait m'emmerder comme jeu, j'ai pas eu besoin d'y toucher pour le savoir. Il a fallu simplement que je regarde ce que les devs annonçaient. Que je regarde les extraits, les petits extraits de gameplay et tout. Et j'ai su que ça allait pas, que ça allait franchement m'ennuyer. Et du coup, voilà, pas besoin. Oh, ma petite féline, t'es trop mignonne. Bon, faut que j'arrête la VOD là-dessus quand même. Ça fait une heure là. C'est bien une heure. Une heure et des... 1h22. Non mais oui, VOD beaucoup trop long. Putain, la dernière fois que j'ai regardé, ça faisait une demi-heure. Bisous la VOD. C'était Subnautica, on a avancé. Et ben, on va réavancer la prochaine fois. Bisous.